Cette semaine, on fait le point sur les nouvelles fonctionnalités à venir sur votre Xbox One. Interaction avec Windows 10 ou encore un accès anticipé, de très belles choses vous attendent. On commence tout d'abord par l'arrivée imminente de Windows 10 le 29 juillet prochain qui s'accompagne de nouvelles interactions. Il vous sera maintenant possible de streamer, et oui, la grande nouveauté est que vous pourrez désormais jouer à plusieurs sur différents appareils. Joueurs PC et joueurs Xbox One pourront enfin jouer ensemble, comme par exemple dans le prochain Fable Legends. Vous pouvez donc diffuser, prendre le contrôle et jouer à vos jeux Xbox One depuis votre PC dès maintenant avec la bêta Windows 10. Cette nouvelle option est arrivée sous la forme d'une application sur Windows 10. Pour que cela fonctionne, il faudra que les appareils soient bien évidemment sur le même réseau. Pour accéder au streaming de jeux, il vous faut installer la dernière version de Windows 10, version 10.158, sur votre ordinateur. Sur votre Xbox One, vous devez avoir la dernière mise à jour d'installer. Sur l'application Xbox, appuyez sur le bouton Connect pour vous connecter à la Xbox et, dernière étape, cliquez sur Stream pour commencer une session de jeu. Un des avantages, c'est que vous pouvez utiliser votre manette Xbox sur Windows 10 en la branchant en USB. Vous voilà connecté sur votre ordinateur et prêt à jouer. Vous pouvez également enregistrer votre gameplay en un clin d'œil avec le raccourci Windows plus G. Cela permet d'enregistrer et de partager vos plus belles captures, vos meilleurs moments ou encore des parties endiablées avec vos amis. Vous bénéficierez aussi de performances de jeu améliorées et de graphismes époustouflants grâce à l'arrivée de DirectX 12. Quant à la console, une mise à jour est prévue lors du lancement de Windows 10 qui intégrera toutes ces nouvelles fonctions. Patience, plus que quelques jours pour découvrir toutes ces nouveautés. Pour finir en beauté, le Game Preview débarque sur Xbox One. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité accessible à tous qui permet de tester et d'évaluer des jeux avant leur sortie officielle. Vous pouvez désormais les acheter en cours de développement et vous pouvez accéder à une démo gratuite pendant une heure. Comment y participer? C'est très simple, rendez-vous dans le marché de jeux et ensuite dans Aperçu. L'accès anticipé nous fait déjà découvrir deux énormes jeux, The Long Dark et Elite Dangerous. The Long Dark vous entraîne dans une expérience d'exploration naturelle ainsi que dans une aventure de survie au sein d'un monde ouvert magnifique. Dans Elite Dangerous, une simulation spatiale excellente, prenez les commandes de votre vaisseau stellaire et partez pour une aventure connectée et en constante évolution. Des jeux comme Sheltered ou DayZ arriveront très prochainement, de quoi s'essayer sur de futures bombes. Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One? Eh bien dépêchez-vous et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et pour revoir d'anciens Direction One, c'est très simple, cliquez juste sur les vidéos présentées. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite.